Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Elle n'était pas prévue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit event que j'ai organisé, du coup, sur mon Discord. Pourquoi j'ai la tête en bas, posez pas de questions, vous aurez pas de réponse. Alors, merci à Café Sans Sucre, tout d'abord, pour avoir organisé cet événement. Il nous a mis une petite introduction que vous voyez ici. Donc, pour cette introduction, en fait, il a repris les événements qui ont été évoqués par Ankama dans le cadre de la nouvelle mise à jour qui aura lieu en novembre. Donc voilà, il a recréé un peu de lore, enfin il a repris un peu du lore en fait qui avait été mis. Et ensuite, je vais vous remercier, je tenais à vous remercier pour les 200 membres sur le Discord. Grand merci à vous, on a réussi à le faire. D'autres événements auront lieu dans le même style sur d'autres réseaux et d'autres paliers sur Discord, etc. Voilà, on essaiera d'organiser des événements assez régulièrement, donc tous les 2-3 mois. Donc voilà, afin de fêter les 200 membres sur le Discord de mars, nous vous invitons à participer à un event de type dessin en rapport avec la mise à jour du mois de novembre. Donc ça va être à vous de dessiner Enfin voilà, je vais vous donner le thème juste après. Le but sera donc de dessiner une créature qui pourrait apparaître dans la future mage. Au niveau des lots, le premier remportera un écu de la Discord, qui est donc un bouclier d'apparat qui est quand même relativement rare. Il sort pas beaucoup. Il ne sort en fait que dans ce genre d'événement, en fait, dans le cadre où les streamers, etc. font gagner des choses. Streamers slash créateurs de contenu, enfin voilà, vous m'avez compris. Le second, lui, aura un bouclier d'alliance pour rester dans le thème des boucliers d'apparat. Et le troisième, un bouclier de guilde. En sachant que les votes seront des votes, en fait, ce sera un système de vote pour les gagnants. Et les votes, c'est vous qui allez décider qui va gagner, en fait. Vous allez dire lequel vous trouvez le plus original, etc. Enfin voilà, tout ce qui est en rapport en fait avec ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo d'ailleurs si l'événement vous intéresse, etc. Bien sûr, il y a des petits prérequis pour pouvoir participer. Il faut être abonné à la chaîne et être sur le Discord, voilà. Donc pour tout ce qui est au niveau des envois des dessins, vous pouvez le faire sur tout support déjà, donc en digital, en papier, vous pouvez même faire un tatouage sur un de vos proches, j'en sais rien, voilà. Et donc, comme c'est dit là, c'est à vous de dessiner un dessin par personne, tout type de support autorisé, donc comme je viens de vous le dire. Vos croquis seront envoyés à Café Sans Sucre, donc sur le Discord, il a le rôle maître des jeux. Il y aura un vote par personne et seuls 3 dessins seront retenus. Des récompenses seront offertes aux 3 meilleurs dessinateurs. Donc voilà, là il y a les gains. Et ensuite il y a le déroulement de l'événement. Publication des dessins du 28 septembre au 8 octobre, ce qui vous laisse environ 2 semaines. Je pense que c'est assez correct. Ça fait 10 jours, un truc comme ça. Début des votes le 9 octobre, donc un jour après la fin de la remise des dessins. Et fin des votes et détermination des gagnants le 15 octobre, ce qui nous vous laisse environ une semaine pour voter. Donc c'est un événement qui va se faire sur à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer. C'est sur le Discord, c'est gratuit. Enfin gratuit, ça vous coûte quand même un abonnement. Enfin un abonnement. L'abonnement est gratuit, donc oui, en soi c'est gratuit. Et d'être sur le Discord. Voilà, donc en plus de ça, sur le Discord, vous avez toujours, comme à notre habitude, il y a toujours, Medo Facebook. Il y a cette communication, il commence à être pas mal actif, donc encore une fois, un grand grand merci à vous. Et puis voilà, je voulais faire ce petit événement pour vous remercier. Le prochain aura lieu sur un réseau social multicolore, donc je vous laisse me dire lequel vous pensez que ça va être en commentaire. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, je vous fais une petite devinette. Voilà, après, on essaiera de voir de toute façon pour vous faire de plus en plus d'événements sur le Discord, même s'il n'y a pas des gros prix à gagner, genre 1 ou 2 millions de kamas, des petits trucs comme ça, histoire de rendre le Discord un peu plus attractif et puis de l'animer. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'était pas trop animé, mais bon, en dessous de 200 personnes, c'était pas ouf dans le sens où voilà, il y aurait eu peu de participants, toujours les mêmes vainqueurs, etc. Et ça faisait, bon, d'un côté ça faisait participer et ça donnait un petit avantage aux gens qui sont sur le Discord, mais de l'autre côté c'était un peu dommage pour les membres de la communauté YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord. En attendant, on se retrouve ce soir pour la casette. C'était Mars, ciao ciao.